Ok les amis, aujourd'hui je vous amène au Havre en Normandie. Départ en TER à 7h12, retour sur Paris à 22h23. Nous visiterons toute cette belle ville. À la fin de cette vidéo, vous retrouverez les réponses du quiz que je vous ai laissé sur les réseaux sociaux avec les deux gagnants qui ont été les plus rapides. Je vous laisse avec la vidéo générique. L'aventure commence à Paris-Saint-Lazare avec le train de 7h12, numéro 3103. Et pour la énième fois, nous quittons la région parisienne. Nous arriverons donc à destination à l'heure prévue, soit 9h52. Nous sommes au Havre, maintenant on va tout visiter. Je vous laisse admirer cette belle ville. Moi-même j'ai déjà pris le tram pour venir à la plage. On commence par ce bel endroit et on enchaînera avec les musées. On fait un rapide tour dans le musée du MUMA pour observer les fameux tableaux. Le MUMA est un musée bien connu du Havre avec notamment de nombreuses œuvres d'art et ses nombreux artistes. Il est midi, c'est l'heure de prendre un bon burger dans ce très beau restaurant. Je vous laisse voir par la suite. Ok les amis, je reviens du restaurant La Marmonique de Mamie et je peux vous assurer que leur burger, mais franchement leur burger, du 100% fait maison quoi. De tous les burgers que j'ai mangés, bah celui-là était le meilleur des meilleurs des meilleurs des meilleurs. Le best of the best. C'est à faire tomber quelqu'un, c'est une tuerie quoi. On continue la visite avec un petit tour en bateau. Allez, le clou du spectacle maintenant avec la balade en vedette autour du Havre avec un passage au port de Mille. Je vous laisse juge de ces beaux paysages.
plus tard. Allez, dernière petite activité dans la ville du Havre, on se balade dans le centre-ville, on observe également la cathédrale et nous profitons d'aller manger un dernier petit morceau avant de reprendre le train de 20h08. Je vous laisse avec ces beaux paysages. Vous avez été nombreux sur les réseaux sociaux à donner une réponse au quiz que je vous ai posé la veille du voyage. Et nombreux sur Twitter avaient répondu faux. La bonne réponse était la buzz avec Michael Dune. Et un grand bravo à SebSeb de Facebook qui a trouvé la réponse. Et à Joël Ducrot sur Instagram qui a également trouvé la bonne réponse. Bravo à vous deux, vous avez été les plus rapides. N'oubliez surtout pas de visiter la page Instagram de la Marmite de Marie, ce très beau restaurant auquel j'ai mangé un super hamburger. Franchement, allez-y, likez, abonnez-vous et laissez-leur un petit commentaire. C'est la fin de cette aventure. Merci de m'avoir suivi pour cette journée. Très bon week-end à vous et à bientôt pour une nouvelle aventure.